j'arrive. Ah, c'était une bonne idée de bouffer avec cigare et kratos, quoi. J'arrive. Eh bien alors, qu'est-ce que vous foutiez? Ça fait 10 minutes que j'essaie de vous appeler. Désolé, colonel, c'est parce que j'étais en train de me préparer... De me préparer mentalement et physiquement pour ma prochaine mission. D'ailleurs, je suppose que c'est pour ça que vous m'appelez. Non, c'est pour commander une pizza. Évidemment que c'est pour confier une nouvelle mission, qu'est-ce que vous croyez? Oui, pardon, colonel, je vous écoute. Lord, l'état-major vous confie une nouvelle mission. Vous devez terminer Gradius 3. Quoi? Ah non. Ah non, pitié, non, s'il vous plaît, tout sauf ça. Pitié, je sais pas, demandez-moi n'importe quoi, demandez-moi de finir Tailspin, Shimpadels ou Kirby sur un S. Tout sauf ça, pitié. Lord, c'est un ordre. Obéissez ou je vous rétrograde vos fonctions. Rendez-vous dans une heure pour le briefing de mission finale. Terminé. Bon, je crois qu'il faut y aller alors. Oh putain, fais chier, merde! Salut les nostalgiques, je vous souhaite la bienvenue sur une nouvelle vidéo de Lord Paddle et comme vous pouvez le constater par vous-même, j'ai enfilé ma nouvelle combinaison parce que c'est de nouveau une vidéo particulière comme la précédente dans le sens où je vais de nouveau jouer à un jeu et je vais essayer d'aller le plus loin possible. Hein. Je dis pas que je vais réussir à le finir, mais je vais essayer d'aller le plus loin possible. Voilà, ça va être ça le concept de cette vidéo. Je vous dis ça parce qu'il s'agit d'un jeu qui est ultra difficile et moi personnellement, j'ai jamais réussi à le terminer. Il s'agit de Gradius 3. Gradius 3 de Konami, vous savez, cette célèbre franchise de shoot'em up ultra populaire, peut-être l'une des franchises de shoot'em up les plus populaires au monde. Bon alors, dans l'esprit des gens, dès que vous parlez de shoot'em up, en général, les références sont toujours les mêmes. Hein. Ah oui, moi je connais R-Type, Darius, Gradius, Life Force, etc. Voilà, c'est les titres qui reviennent le plus souvent. Alors, des Gradius, eh ben, tout le monde a son épisode préféré. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, Gradius 2 sur NES, qui est très réussi, qui est un épisode magnifique, malheureusement sorti qu'au Japon. J'aime beaucoup le 3 aussi, mais bon, on va revenir dessus dans un instant. J'aime beaucoup Gradius Gaiden sur PS1, qui est un jeu magnifique. Et j'oublie pas non plus les Nemesis sur Game Boy, et notamment Nemesis 2, qui est une pure réussite. Oui, parce que Nemesis, c'est le titre japonais de Gradius. Bon allez, on va pas s'éterniser, hein, donc on va commencer. Oui, alors j'ai oublié de préciser, le Gradius 3 auquel je joue, c'est celui de la version arcade, donc la version d'origine. Hein. Oui, parce que il y a eu aussi un Gradius 3 sur Super Nintendo. C'est pas celui-là que je fais la version arcade. Bon bref, allez, c'est parti. Alors, Gradius 3, oui, j'ai l'air peut-être d'en faire un peu des caisses, mais vraiment, c'est un jeu qui est très, très, très difficile. Alors, pour vous donner un exemple, hein, puis après on commence et je ferme ma gueule... Voilà, R-Type, si la difficulté dans R-Type, c'était la métastase, eh bien, dans Gradius 3, ça serait la phase terminale. Voilà, donc c'est sur cette expression fortement poétique que nous commençons. Go! Bon, alors voilà, au début, vous pouvez sélectionner vos armes, alors vous pouvez faire Quick Select ou Edit Mode. Alors, Edit Mode, ça vous permet de choisir option par option, c'est-à-dire les missiles, le type de missile que vous voulez, double, je prends toujours vertical, alors laser... le Twin Laser, c'est-à-dire le laser jumeau, il est pas mal, mais je vous conseille le C-Laser qui défonce sa maman. Voilà les options. Alors, un indispensable hein, des Gradius, parce que sans ça, vous pouvez pas finir le jeu. Si vous n'avez pas ça, vous êtes mort. Mort de chez mort, hein, des ennuis chez le mort. Hein. Donc voilà, ensuite Force Field, et là, je prends ça. Premier niveau, allez, c'est parti. Alors, ce premier niveau, il fonctionne exactement comme tous les premiers niveaux des Gradius, hein, c'est-à-dire une horde d'ennemis qui arrive en haut. Et en bas de l'écran, et qu'il faut dégommer assez rapidement pour récupérer le plus de capsules rouges possible. Ces fameuses capsules rouges vous permettent de récupérer les armes qui se trouvent dans la barre horizontale en bas. Ça, c'est le gameplay de base de tous les Gradius. Voilà. Là, vous le savez peut-être déjà, mais je le dis parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas Gradius. Voilà, donc je m'adresse un peu à tous les publics, hein. Pas qu'aux connaisseurs, hein, pas qu'aux schmoppeurs. Hein. Voilà.
Bon, donc, ce premier niveau... Alors, ce premier niveau, mine de rien, moi, je l'aime bien, parce que bah, c'est le seul qui est pas difficile, hein, en réalité. En même temps, c'est le seul. Parce que après, bah, ça va sérieusement se gâter, hein, je crois que vous avez compris. Bon. Donc, là, ici, le truc, c'est, comme je vous ai dit, il faut récupérer très vite les meilleures armes, il faut avoir les options, il faut essayer d'avoir le bouclier le plus vite possible. Et en même temps, vous voyez, on récupère les capsules que sur les ennemis qui sont orange. Les bleus, ils filent jamais rien, donc voilà, bon, quel racisme. Bon, bref. Donc, attention les dragons de sable. Oui, alors, ce premier niveau, moi, je l'aime bien aussi parce que c'est quand même assez beau. Je veux dire, on est dans un environnement avec des dunes de sable, des lions en sable, des dragons de sable. C'est un espèce d'univers un peu futuriste comme ça, qui rappelle un peu, je sais pas, des films de science-fiction, vous savez, dans les années 80, genre Dune, 90, voilà. Et en même temps, c'est dans la norme aussi de ce que Konami faisait à cette époque, hein. c'est quand même vachement beau hein, pour un jeu qui date du début des années 90. Et en même temps, c'est Konami, donc c'est normal, hein. Voilà, c'est fin 80, je sais plus, bon bref. Hein. Alors voilà, là j'ai les trois options, ça c'est cool. Ça va aider, mais voilà, il me semble que ça dure qu'un temps, je crois. Non, ce qu'il faut, c'est vraiment récupérer ce qui s'appelle option en bas, là. Le boss. Alors, le boss, bon, bah, ça, c'est le beau gosse de service, comme vous pouvez le constater, hein. Bon, alors, Brad Pitt, donc, faut shooter, là, dans son noyau verdâtre, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, là? Dans son olive, là. Donc, hop, petite olive, là, quand il s'ouvre. Pitch. Voilà, attention, les spiders qui sortent de partout. Et qui risquent de vous en foutre une dans le cul, là, donc... Ouais, alors, il y a quand même un truc qui est dingue, j'en profite aussi pour expliquer un petit peu le concept du jeu, c'est que... Au niveau de la difficulté, vous savez, normalement, la difficulté dans un jeu, c'est progressif. C'est-à-dire, bah, vous commencez, le niveau de difficulté il est normal, puis après ça augmente, puis après ça va être de plus en plus fort, plus vous avancez dans le jeu, plus ça augmente. Et là, dans ce jeu, c'est pas ça. Dans ce jeu, c'est le premier niveau, c'est finger on the nose, et le reste, c'est BAM dans ton cul direct. Ouais, yes. Ah, j'ai eu le boss, putain. Allez, second niveau, bon, alors là, putain, là, on va moins rigoler, parce que là, c'est l'enfer, hein. Vous allez vite comprendre. Bon alors, chaque niveau commence toujours par la horde d'ennemis là, qui vous permettent de récupérer des capsules. En fait, c'est fait exprès pour vous faire une petite santé. Hein. Parce que vu le cauchemar qui vous attend, bah, je peux vous dire, c'est pas trop, hein, vraiment. Yes, deuxième option. Bon alors, il y a un truc qu'il faut que je récupère absolument, c'est le bouclier. Là. Vous voyez le point d'interrogation qui est à droite là. Et ben c'est ça. Voilà, donc là on est dans un level design un peu à la Bubble Bobble, hein, avec des bulles partout et... Ah ouais, alors ça paraît rigolo au premier abord, mais je peux vous dire que ça va sacrément vous faire chier. Hein. Et c'est pas des bulles de savon. Hein. Bon, alors il y a une stratégie qui consiste à pas tirer dessus normalement, parce que vous avez vu, quand vous tirez dessus, ça se multiplie à l'écran. Mode gros bourrin activé. Mais bon, moi j'y vais comme un gros bœuf, je fonce dans le tas et je tire dessus quand même, parce que... Ouais, parce que je fais ce que je veux. Merde, c'est ma vidéo, donc... Top. Enfin bon, bref. Oh là là, mais regardez-moi ce bordel là, c'est pas possible, les mecs ils ont pété les plombs quoi. Regarde-moi ça quoi. Putain, mais tu dois avoir 100 milliards de bulles à l'écran quoi. Putain, c'est n'importe quoi. Bon, enfin bon, bref. Allez, j'arrête de râler, de toute façon c'est comme ça, il faudra bien le passer ce truc de merde, donc voilà. La grosse bulle, on va éviter de tirer dessus. Ah merde, trop tard. Putain, bon, allez, là. Bon, allez, je fais n'importe quoi. Allez, je passe quand même. Oh là là, des connards qui arrivent derrière. Ouais, ça devient chaud là. Ouais, vous avez compris ce que je vous disais sur la difficulté? Putain, oh, c'est putain de vachement méga dur. Ah, ah merde. Pete. Ah, elle est arrivée trop tard celui-là. Oh là 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 là, putain, c'est pas possible de écoute. Eh mais t'as sort poids sur Brazzer quoi. Comment on passe ce truc sérieux, quoi? C'est un truc de psychopathe, là, vraiment. Hein. Je suis écrasé le décor, mais putain de pute. Et comme dessert, le chef vous propose sa spécialité maison, un pied au cul, suivi d'un digestif, un poing dans la gueule. Bon appétit, messieurs-dames. Je suis saoulé, je vous jure, je pète les plombs, là. Je suis saoulé. J'ai recommencé 50 fois ce putain de niveau. Oui, vous voyez là qu'une prise pour la vidéo. Mais moi, j'ai recommencé mais des milliards de fois. Mais j'ai passé la journée entière sur ce putain de niveau. En plus, j'ai eu pas mal de problèmes techniques sur l'ordi. Bon, bref, je vous passe tous les détails.
Je suis saoulé. Moi, je comprends pas qu'est-ce qui leur a pris de programmer ça. Franchement, les mecs qui ont programmé ce niveau, je sais pas, ils avaient une revanche à prendre sur la vie. Hein. Genre, ils se sont fait plaquer par leur meuf, ils ont perdu leur job, voilà. Moi, je sais pas, mais c'est pas possible de faire des trucs aussi difficiles, quoi. Les mecs sont dingues, quoi. Voilà, et franchement, il y a que les Japonais qui peuvent réussir un truc comme ça. Il y a que les Asiatiques, parce que là... Attention, attention. Commentaire raciste détecté. Je vois pas comment on peut réussir un truc pareil, quoi. Et alors ce putain de boss là, ouais, alors je palabre là, mais ce putain, cette espèce d'amibe là toute pourrie, amusez-vous à y arriver sans armes, vous allez voir, faites le test pour voir ce que ça donne. Essayez d'arriver ici sans armes, hein, ça va être rigolo là. Ah non, c'est un truc de dingue, oh là 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 là. Bon, allez, c'est reparti. Alors normalement, lui, il y a une technique très simple, alors déjà, c'est d'éviter ces boules de pétanque là qu'il vous envoie. Parce que justement, bah, ça me file les boules. Oui, c'était pas drôle. Et de se mettre au milieu et de creuser en faisant... Voilà, en faisant ça. Et, c'est qui le pro, là? C'est moi. Le second niveau, ça m'a saoulé. Mais croyez-le ou non, mais le troisième niveau, eh ben, c'est encore pire. Ah ouais, je vous jure, c'est encore pire. Hein, je vous dis, les mecs, c'est des dingos. Ah, c'est des oufzors, les gars qui ont programmé ça. Bon, bref... Alors, oui, alors les connaisseurs de Gradius reconnaissent ce type de décor, hein, de forêt avec les volcans, là, c'était en fait les décors du premier niveau du premier Gradius, voilà. Donc là, on reste dans du Gradius typique, hein, des familles, hein, voilà. Bon, alors, vous avez, comme d'habitude, ces putains de canons sur pattes qui vous emmerdent, et les tourelles de tir, hein, bah ici, il va y avoir ça, principalement, hein. Et vous avez des petits trucs qui marchent aussi, qui balancent des tirs sans arrêt. Et vous avez un grand classique, hein, les distributeurs d'ennemis, qu'il faut vite, donc il faut très vite se débarrasser, parce que sinon ça devient le bordel. Voilà, voilà, alors là ça va être une pluie de tirs, c'est parti. Alors, Dieu merci, il y a des ralentissements, parce que mine de rien c'est chiant les ralentissements, mais d'un autre côté ça vous aide, parce que grâce au ralentissement en fait, hein, ouais c'est du bug exploit, mais vous voyez venir les tirs. Parce que si ça allait tout le temps à la même vitesse, ouïouïouïouï. Ah, ça serait un petit peu... hein, vous auriez chaud au niche, quoi, mais bon. Ah, c'est déjà pas simple, hein. Ouais, alors... Oh là là, c'est pas possible. Mais vous voyez ce bordel, ça y est. J'ai même pas commencé depuis une minute le niveau, que c'est déjà le foutoir total. Regardez-moi ça, quoi. Mais c'est malade, quoi, les gars, quoi. Et ça, c'est rien, parce que ce niveau, il y a en deux parties. Après, on va passer dans les grottes. On va passer dans les grottes, et là... Et on va s'écraser comme une merde, voilà, c'est ce que je voulais dire. Nous sommes désolés pour ce RO inséré par erreur par notre stagiaire qui a confondu ROT avec grotte. Ce malencontreux incident ne se reproduira plus. L'équipe de direction de Lord Paddle. Sainte patience et compagnie, je vous jure. Enfin. Alors comme je disais, on va arriver dans le niveau de la grotte, on va descendre dans les souterrains. Et là, ça va être Apocalypse Now. Ah, ça va être totalement n'importe quoi. Vous pensiez que c'était n'importe quoi, mais là, oh là 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 là. J'ai failli m'en prendre une sur la gueule, là. Ah, c'est passé Razibus, là. Bon, mais c'est passé. Alors, attention, parce que par contre, il y en a d'autres. Là, là, je chante sous la pluie. La pluie des putains de tirs. Oh là là, je me fais tirer dessus comme un lapin de Garenne à l'ouverture de la chasse. Ouf. Eh, je sais, je dis n'importe quoi, mais c'est le stress, qu'est-ce que vous voulez, hein. Le stress, ça peut faire des choses, hein, quand même. Bon, attention. Putain de piège, alors, je vous jure, quoi. Oui, bah, évidemment, il y en a d'autres, hein. Ouais, séquence tremblement de terre, là, c'est... attention, là, on dirait qu'il y a le Vésuve, qui va s'énerver, là. Allez, la grotte, là. Comme ça, on pourra dire que j'ai marché dans la grotte. Ah, c'est nul. C'est nul. Il faut que j'arrête les blagues de merde, là, franchement. Ouf. C'est bon, j'y suis. Vous avez vu ces connards quand même, ils te foutent des tourelles de tir sur la paroi verticale quand tu descends. Et c'est pas un truc de vicelard ça franchement là. Alors il y a une technique, c'est en fait de permettre à vos options de traverser les murs. Comme ça vous pouvez flinguer les distributeurs. Ouais je sais, ça, j'ai vu, le tir il passait juste au-dessus. Ouais bah ouais, ça m'a rasé la tignasse, mais ça m'a juste rasé la tignasse. Voilà. Voilà, autre technique, enfin toujours la même là, voilà les options qui traversent le truc, comme ça vous pétez les couilles. Mais sérieusement, vous trouvez pas qu'il y a déjà pas suffisamment de tirs à l'écran? Vous avez besoin d'en rajouter? Franchement, sérieux les gars qui ont programmé ça, c'est quoi votre problème là? Ah non mais parce que vous commencez à me... Bon,
Voilà, je vais pas le dire pour éviter de devenir vulgaire, parce que sinon on va encore dire que ouais, je suis trop vulgaire, comme certaines personnes m'ont dit à la précédente vidéo, sur R-Type. Alors évidemment, le truc d'enfoiré, c'est que vous avez les petits connards qui sont planqués dans les trous en bas, et bien évidemment c'est fait exprès pour que vous puissiez pas les atteindre. Par contre, eux, ils peuvent vous atteindre. Ouais, c'est génial, ça, c'est l'équité dans tes fesses, quoi. Bon, enfin, mini-boss. Oh là là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Le problème, c'est que j'ai pas le tir vers le haut, et il fallait ça, en fait. Et le souci, c'est que... c'est chaud. Putain. Non, c'est pas possible, j'étais presque, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire sans armes? Là, franchement, c'est comme tu décidais d'aller abattre Hitler avec une sucette. Là, c'est franchement, ben là, c'est la même chose, quoi. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Mais oui, évidemment. Putain. Et arrête de censurer, toi, tout le temps, là. Putain, si tu censures encore, je te jure que je vais te... Connard. Bon, bref. Oui, alors, bon, entre-temps, j'ai refait le niveau, donc, parce qu'en fait, j'avais fait une erreur. Ici, il faut arriver avec le double. Vous voyez, c'est l'arme qui tire vers le haut. Voilà, alors, c'est impossible sans ça, parce que sinon, vous pouvez pas détruire le distributeur de connard que je viens de buter, qui était en haut. Eh ouais, c'est inaccessible avec les lasers, donc ça, c'était franchement le piège de cul, mais bon, voilà. Bon, c'est comme ça. Alors là, je fous sur la gueule au mini-boss, et on va ensuite passer au boss, au vrai, qui arrive juste après. Et là, ouh, mes aïeux, là. Ah, voilà, ça va chier les nuls, là. Allez, on se concentre, là, il faut y arriver, là. Putain, allez. Alors, c'est le vaisseau avec les noyaux bleus habituels de tous les Gradius, sauf que là, celui-ci, il est super équipé. D'abord, il a 3 noyaux au lieu d'un. Ensuite, il vous enferme dans ses lasers. Alors, là, c'est une idée que Konami reprendra dans le Gradius 5 sur PS2, qui est un Gradius dont j'avais pas parlé, d'ailleurs, au début de la présentation, que j'aime bien. Mais bon, bref, j'en parlerai plus tard. Donc, en fait, il faut détruire les 3 noyaux, et bah, c'est pas terminé, parce qu'il y en a un autre derrière, donc... Donc voilà, oh merde, putain, va te faire masser l'oignon par Bennett. Oui, Bennett, là, le commando, là. Masser l'oignon? Ah, elle est bien bonne, celle-là. Oui, bah, je suis désolé, on fait avec les références qu'on a, hein. Ouais, vous auriez peut-être préféré le 7ème saut ou le cuirassé Potemkin, mais bon, ouais, c'est comme ça, quoi. Slalom, 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 allez, 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 leur panel, montre que t'es bon, montre que tu crois en la life. Allez, 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 allez. Vite, tu vas y arriver, Lord, 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 là, je suis bloqué, s'il monte encore, je suis mort. Putain, le stress, je vous jure, quoi. Attendez, c'est pas fini, je l'ai pas eu encore. Je l'ai pas eu. Oh non, 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 non. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo, hein, parce que, ah, je suis désolé, j'aurais aimé vous en montrer un petit peu plus, mais là, je peux plus, hein, franchement, ça fait des jours que je suis dessus, je suis au bord de devenir complètement zinzin et d'être interné dans un asile psychiatrique, voilà, donc je pense qu'il est temps d'arrêter. Voilà, c'était Gradius 3 le challenge, on espère que ça vous a plu, hein, si vous avez envie de voir un épisode 2 et qu'on vous montre les niveaux suivants de Gradius 3, bah, faites-nous le savoir, hein, ouais, là, nous, ça nous fera toujours plaisir de souffrir des heures pour vous, hein. Voilà, en attendant, je vous salue promptement, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine grosse vidéo qui sortira courant mai-juin, qui sera celle consacrée au Run and Gun, vous savez, dont on vous parle depuis quelques mois et sur laquelle on bosse depuis déjà beaucoup de mois. Mais avant ça, j'aimerais bien terminer cette vidéo comme elle a commencé, histoire de libérer ma frustration et de me venger de tout ce que ce putain de jeu m'a fait subir. Je vais récupérer les jeux Gradius qui sont, vous voyez, juste derrière moi. Et... hop. Je récupère ça, voilà, 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 donc, hein, Gradius, hein, et ça va se terminer exactement comme ça a commencé. Salut les nostalgiques, à très vite. Hop, voilà, au chiotte.